Je vais juste le partager ma. Alors, bismillahirrahmanirrahim, donc c'est enregistré. Donc, on va commencer. On va partager l'écran. Alors, je vais juste voir l'exercice en question. Alors, exercice. Alors, c'est l'exercice que je vais que j'ai proposé à Amlifat. Voilà, que j'ai proposé à mes étudiants à Amlifat au prochain concours. Presque à l'identique, il y avait un petit truc à caser dedans, qu'elle puisse en rayonner à la fin. Donc, c'est bien. J'espère. Alors, l'exercice que je fais, je crois qu'au début, je dois faire un petit rappel. Je dois faire un petit rappel juste par rapport à ce qu'on a fait. Attendez, Burke. Wait a minute. Voilà. Alors, est-ce qu'à côté c'est au pire? À côté c'est bon, on peut commencer. Vous êtes tous concentrés, Maël? Voilà, c'est bon. Alors, là, je vais lire l'exercice. Là, je vais lire l'exercice. Je vais lire l'exercice. Ou là, avant de lire l'exercice, je vais faire un petit feedback. D'accord? Alors, chauffe. Alors, la partie introduction, je ne vais pas la rappeler. Elle dit que c'est un truc à réviser. Il n'y a pas de souci. Ce n'est pas quelque chose de grave. On a commencé les ondes électromagnétiques dans le vide. Le premier titre, c'est les équations de Maxwell dans le vide. C'est donc les choses les plus importantes. Mais nous, il faut l'explication physique. C'est impossible de nous proposer le concours, yani sous forme de rédaction, vous expliquer, ou là, sous forme d'un schéma, pour expliquer. J'espère, je ne sais pas. Je n'ai jamais vu ça, mais j'aurais aimé qu'on propose ça. D'accord? Au moins, je veux est-ce que l'étudiant a fait les équations de Maxwell, un bel ou ce qui se passe derrière. Donc, il y a un. Deux, les équations de propagation, donc la démonstration de l'équation de propagation, vous allez voir que l'exercice d'un concours, c'est un concours 2019, hein, du coup, vous allez voir que l'exercice d'un concours, on a, comment dirais-je, demandé la démonstration de l'équation de propagation pour le champ électrique. Donc, ça, c'est. Voilà, d'accord. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a fait l'onde plane progressive, donc on a défini c'est quoi une onde plane. Donc c'est une onde où les points appartenant au même plan vibrent en phase où là ils ont le même état vibratoire. Et on a défini l'expression de l'onde plane, que ce soit pour le champ électrique et le champ magnétique, que ce soit en formulation réelle ou bien en formulation complexe. Elle est exponentielle J oméga, etc. Après, ce qu'on a fait, on a démontré ou on a prouvé la relation de dissipation. Ça veut dire que la solution pour avoir, pour que l'équation de propagation admet la solution, le champ électrique ou le champ magnétique, et du coup, elle satisfait, je finis de la démonstration, elle doit satisfaire la fameuse relation de dissipation qui fait que K ou oméga sur V. Donc, c'est une relation litanique et redonnée demandée comme la démonstration. Quoi d'autre? Ushno? Ushno zéro? Ushno zéro? Ma question fait ou la kifa? Vous ne m'entendez pas ou la kifa? Qu'est-ce qui se passe? Ah, d'accord. Oui, Sam, je n'ai pas compris. Pourquoi tu as dit zéro? Au moins, fermez-les. D'accord. Ou là, c'était un emoji, un émoticône. J'espère que je ne sais pas. L'email smash, il tape zéro. Ok, d'accord. Ça va. L'email smash, il tape zéro. Si ça vous arrange, ok. Ça va. On va les équations de Maxwell en formulation complexe. Alors, les équations de Maxwell en formulation complexe, c'était très important. Parce que Bihom, on a commencé le titre Lijimbad. Donc, comment dirais-je, c'est quoi le titre Lijimbad? J'ai fait oublier. Ah là, j'ai un trou de mémoire. Non, j'ai un trou de mémoire. Désolé. Alors, c'est le titre Lijimbad. Shame on me. Shame on me. Vraiment un apprenant. Ah, structure de l'onde plane. Enfin, la structure de l'onde plane, donc la structure de l'onde plane, ce qui fait que c'est quoi la structure de l'onde plane? C'est, on va voir, oui, nous avons les ondes électromagnétiques. L'image bouche,
Non, mais parce que là, je dois faire ça. Parce que la semaine dernière, vous aurez que des révisions, tu as le corde vibrante ou onde acoustique. On doit faire aujourd'hui un exo vide, ou Inch'Allah, le week-end, j'espère, le placement. La semaine dernière, vous aurez que des cordes vibrantes et les ondes acoustiques. D'accord, si ça vous arrange. Je vais te répondre. Hein. Je m'y réfléchis. Alors, pour l'étude de la structure de l'onde plane, quel est le rapport ou quelle est la différence, la différence, mais quelle est le champ électrique, le champ magnétique et le champ, plutôt le cas, donc le vecteur direction. On a vu que chacun, qu'un perpendiculaire par rapport à l'autre. Comment on a démontré ça? Donc, on a démontré ça à l'aide comment dirais-je, à l'aide des équations de Maxwell en formulation complexe. Ça nécessite ouais, des confirmations. Et après, on a vu que c'était un trièdre direct, etc., etc. Après, je fais un gros bloc. Là, je suis vraiment, je suis normalement, j'espère que vous êtes satisfait, mais je suis satisfait de ce qu'on a fait les ondes électromagnétiques parce que enfin, la partie les dernières, parce qu'on a bien bossé. On a bien bossé. Donc, on a fait la polarisation. La polarisation, je détenais, je suis à Wacht. Alors, la polarisation, je détenais, je suis à Wacht. Pourquoi? Parce qu'il y avait trois états de polarisation. Oui, voilà, où il y avait l'elliptique, circulaire et rectiligne. Chaque cas a ses propres conditions. Je fais un blé pour avoir une circulaire. Il fallait que le déphasage est bon, pi sur 2, moins pi sur 2. Et puis, E1 égale E2. Pour avoir rectiligne, la condition que déphasage égal à NP et l'elliptique, donc elle dit qu'il n'y a pas de souci. Sauf que je connais la valeur égale à NP pour ne pas tomber la polarisation rectiligne. Et puis, donc, on a vu, yani, on traîne les détails, je finis exactement. Je finis aussi comment savoir si c'est une polarisation droite ou la gauche. D'accord? Si c'est une polarisation droite ou la gauche. Donc, on a utilisé un principe qui est la vitesse du champ électrique. Donc, on a calculé dE sur dT. Qu'un des étudiants qui m'ont proposé d'autres méthodes, c'est le bêta. Donc, je crois que c'était Abdel Hafid qui m'a proposé ça. Je lui ai dit que le bêta, c'est presque la même chose. C'est juste le bêta, c'est. Parce qu'il suffit de nous tester dE sur dT, c'est bon. C'est bon. Par contre, le bêta, c'est que dE sur dT, on va dire produit scalaire, je crois produit scalaire ou le produit vectoriel, mais E. Mettre le produit vectoriel ou le produit scalaire, je dois juste vérifier. Le produit scalaire, ma k, yani le vecteur k, divisé par le module dialogue. Ça fait beaucoup de travail, personnellement. Imaginez le même résultat, démontrer avec voilà, un truc plus simple. Le dernier titre, malheureusement, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étudiants. Bon, mais comme je sais qu'il y a tout avec Nar, mais j'espère que vous allez revoir. En fait, avec quoi le titre, il est plus de recherche. Des recherches, c'était l'aspect énergétique. Alors, cette mac, j'avais démontré, normalement, ça s'appelle NSTP, donc il y a un faux. J'avais démontré la fameuse l'équation radicale. L'effet à d oméga sur dt plus divergent du vecteur de pointing est égal à moins j fois e. Adik démontrera, je crois, monsieur, voilà, comme démontrera monsieur Broglie d'une manière, je vous ai ramené une autre démonstration. Là, je n'ai pas fait conservation de charge. Elle a démontré ça d'une autre manière. Démontré ça avec un principe, la conservation de, disons, de l'énergie. Adik, c'était semblable au second principe, de la thermodynamique. Parce que c'était la variation de l'énergie au cours du temps est égale aux énergies, il y a les delta E. Donc les delta ETI, j'avais la puissance rayonnée et expliqué tel comme. Donc au cours du temps, si on a un volume et on essaie de voir qui fait qu'il va perdre l'énergie, donc d'un côté, il va perdre l'énergie par rayonnement. Donc vous allez voir que sur le concours, ils ont demandé ça. Donc, par rayonnement, qu'est-ce que le rayonnement? Je vais expliquer. Une plaque s'allume, elle dit que la plaque, tu vois, tchal. Donc, elle dit que c'est le rayonnement, elle dit que c'est une perte d'énergie. Et le deuxième type de perte d'énergie, je vous l'ai expliqué, je crois, très bien, c'était l'énergie qu'on va donner aux charges pour qu'elles se. D'accord? Moi, c'était ça, pour qu'elles continuent à.
avancé, si on peut dire ça. Moi, c'était les deux types. On a démontré. On est arrivé. Démontrer le vecteur de pointing. Vous voyez le vecteur de pointing. Donc, le vecteur de pointing, c'est tout simplement. C'est quoi le vecteur de pointing? C'est une puissance. Donc, c'est une énergie. Ou là, c'est une puissance par unité de surface. Donc, on prend une surface infinitésimale avec le volume. Ou là, avec la surface fermée taille. Et du coup, on va calculer le fameux vecteur de pointing. Par contre, la puissance rayonnée, il y a l'intégrale double sur la surface fermée pi ds, c'est le flux. Donc, c'est le flux du vecteur de pointing. Et on va demander ça à la fin le concours. Eh bien, là, je vais comme le résumé avant. Parce que le sujet de les ondes électromagnétiques, c'était vraiment un résumé total de ce que vous avez fait. Ou là, plutôt ce que je vous ai fait, d'accord? C'était vraiment tout. Ils ont donné la totale. Alors, j'ai juste pas fait un truc. C'était l'impédance. Mais l'impédance, parce que c'est quelque chose de simple. Je vais le donner directement. C'est un rapport. C'est un rapport d'un module de E sur H. Donc, dès qu'on peut le faire, l'exercice direct. D'accord? Est-ce qu'on peut voir rapidement l'exercice Maya, juste pour avoir une idée? Alors, s'il vous plaît, dites-moi. Pour les ondes électromagnétiques, pour le moment, ce qu'on a fait est sans une révision. Quel est votre niveau de compréhension? Un niveau de compréhension, c'est difficile, etc. Dites exactement votre niveau de compréhension. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des. Voilà. Ce qui fait les ondes électromagnétiques, pour le moment, votre niveau de compréhension à partir de ce qu'on a fait, sans avoir lieu une révision. Est-ce que vous pouvez me répondre? Voilà. Ça, c'est une information. Très bien. C'est un bon début, cette survie. C'est très bien, cette survie. C'est bien. Les autres, s'il vous plaît. Ah, est-ce que vous pouvez me donner une réponse? Oui, les examens, je sais, les examens. Les examens, mais c'est pas grave. Mais en fait, j'espère que ce que j'ai fait, je sais, c'est pas l'idée. C'est pas le. Mais voilà, on a fait le maximum de ce qu'on peut faire les ondes électromagnétiques. D'accord. Et on va faire l'exercice. Mais l'exercice, est-ce que ça va ou ça va pas? Il y a un seul exercice ou là, deux exercices ou là, trois exercices. Gould, en fait, l'exercice tel fait, je l'avais proposé. Les révisions finales, voilà, je l'avais proposé, les révisions finales, Zahar. Fait Kamel, oui, fait Kamel. Fait Kamel, pas. Le vide, pas. Alors, on va le voir, kif, kif, et alors, électromagnétisme, alors que tu vois, il y a trois points. Il y a trois points, voilà. Tout un exercice. Je ne sais pas où je suis, où je m'étache. On verra après. D'accord. Les révisions finales, vous verrez après à peu près qui fait chine derrière. Alors. Islam, les révisions finales, il y a un programme. Le 13 octobre, tu peux, Inch'Allah. Merci de nous avoir dit, Inch'Allah. Inch'Allah, ça. Alors, chauffez-moi ou donnez-moi votre avis. Kouloli, est-ce que vous avez tout? Je mets question. Parce que normalement, je mets question à la bouche de l'eau. Alors, une onde électromagnétique sinusoïdale de pulsation oméga se propage dans le vide avec une célérité C. Donc, comme une onde électromagnétique qui se propage dans le vide avec une vitesse de la lumière, dans une direction U. Plutôt dans une direction U, du plan plutôt X, O, Y. Le champ électrique de cette onde s'écrit. Ah oui, là, les balèques parfois, les faits de piège, c'est que la direction, elle est selon un plan, elle n'est pas selon un axe. Le vecteur K, il est selon un plan. Là, il ne faut pas zerber. Le K, désolé, n'acceptez pas. Voilà. Le vecteur K, il est selon un plan. Moi, je fais des roules comme selon un axe, X ou la Y ou la Z. Maintenant, il est directement selon un plan. Donc, faites attention.
D'accord? Ou mazal, il faut terminer l'exercice. Avant que l'exercice d'un concours, c'est un exercice qui n'importe qui peut le faire. C'est juste la pression qui a de la différence. D'accord? Qrawa tranquillement. Le champ électrique de cette onde s'écrit en notation complexe au point M à l'instant T sous cette forme suivante. Chauffe la forme. Donc, je vais comme la forme. Chauffe la forme. Donc, le champ électrique, il est selon X. Normalement, il est selon X. Bon, non, il est selon Z. Il est selon Z. Logiquement, il est selon Z parce qu'il doit être perpendiculaire à K. D'accord? Donc, à la BH, j'ai déduit qu'il est selon Z. D'accord? Il est selon Z. Parce que il a le vecteur K, il est selon X ou Y. Donc, automatiquement, vu que E, il est perpendiculaire à K, donc, il est perpendiculaire au plan X ou Y. Il est selon Z. Et dans ma couche maïe, ça veut dire ma couche mérévisienne, ça veut dire de préférence quitter la séance. Déjà. On va parler doucement. C'est pas le vecteur. Galek, le vecteur K, il est selon XY. Il est selon XY. Ah oui. Ana, je dois quitter la séance. Le vecteur K, il est selon XY. Donc, automatiquement, le K est comme perpendiculaire à E. Donc, il peut appartenir au... Je crois qu'il y a deux possibilités. Une erreur de compréhension. C'est que il y a qu'on soit selon le plan X ou Y, plutôt X ou Z. Je vais dans la roue l'autre. Plutôt X ou Y. Il y a qu'on selon le plan X ou Y. Parce que là, il doit dessiner un plan. Ah, le plan. Idem le K, le vecteur K, il compte selon le plan Hadam. D'accord? C'est ma E, il peut être compte le même plan, ou elle est perpendiculaire à l'air. Akumaya. Est-ce qu'Akumaya? Akumaya ou là? Ça. Bessa. Il y a une deuxième possibilité, c'est que K, il compte selon le plan perpendiculaire au plan Hadam. C'est ma. Tu as un stylo perpendiculaire à la case, mais concernant le plan Z. Mais logiquement, les gens, on peut intelligent. Donc, on peut l'intelligence, c'est comme une déco. Imaginez, how le plan taille. Ça. Et d'un hadan, zama hadan X ou hadan Y. Mathalan, axo, donc hadan X ou hadan Y. Quel est le vecteur K rahouf le plan X ou Y. C'est marouf selon l'axe X ou selon l'axe Y. C'est marouf le plan. Imaginez hadan le vecteur K. Ça. Donc, je vais à côté de ma fille. Est-ce que côté de ma fille? Est-ce que côté de ma fille? Ah, le cas de la porte à la voix dans ma cas. Non, mais je suis pas dans la vie. Je suis rien. Donc, à la bière, je suis pas dans la vie. Alors, donc, il a maintenant le champ électrique perpendiculaire à l'aile, le même plan. Alors, il a tout le même plan. Alors, le champ électrique, il y a deux composantes, logiquement. Et dans le vecteur K, il y a deux composantes. Le champ électrique, il y a deux composantes. Et là, il y a perpendiculaire à la K et le même plan. Comment je vais deux. Il y a une composante. Allez, je crois que tu es. Maintenant, comme je l'imagination. Ah, où le plan X, Y. Et dans le vecteur K, hadahoua, où il compte perpendiculaire sur le même plan. C'est ma E, hadahoua. C'est ma chalain d'où il compte une composante, haka. Chalain d'où une composante. Mais j'ai un de deux composantes. Et dès qu'il compte perpendiculaire, ça. Bessah. L'exercice dernier. Chalain d'où il compte une composante. Le vecteur E. Le champ électrique. Attalik, une seule composante.
c'est moi automatiquement. Même idée, par exemple, là, avec un essai de philosophie à l'école, parce que là, je ne sais pas exactement où je vais faire l'exercice. C'est pour ça que je vais vous est-ce qu'il est selon Z ou L. C'est moi, idée, un dos, mais je vais vous donner deux composantes. Je vais vous une seule composante. C'est moi, selon quel axe il est E. Très bien. Je vais vous faire tout. C'est moi, E, il est selon Z. Ça va? Ça va? Vous avez tout le fait? Très bien. Donc on va continuer la lecture tellement. Mais allez, je connais un chouïa. Je ne sais pas comment on appelle ça, Hadi Zama. C'est avec Hadi Al-Mohab Bilwakt. C'est comment évaluer un exercice. On a une comme l'évaluation de l'exercice. On évalue l'exercice. Les gens arrivent qu'ils fassent un exercice. D'accord. Alors, des fois, il y a des paramètres qui ne peuvent pas faire moi. Alors, la question l'oula. Normalement, personne ne peut rater ça. Alors, donner les équations de Maxwell dans le vide sous leur forme locale. Donc, la forme locale, c'est quoi local? Local, c'est la divergence, le rotationnel, etc. Ce n'est pas les intégrales, ce n'est pas avec l'intégrale, etc. Donc, la première question, normalement, que représentent les coefficients A et B? Déterminer, ah oui, parce que E, oui, sous la forme J oméga T AZ moins AZ moins BY, parce que le champ, plutôt, le vecteur K, il a deux composantes. Que représentent les coefficients A et B? Le plus intelligent fait comme école, c'est juste les composantes du vecteur K. Voilà, tiens, un sujet à concours. Déterminer en fonction de A et B la longueur d'onde lambda. Plus simple que ça, et j'en crève. Lambda, c'est quoi? C'est 2pi sur k. Donc, le module de k. Le module de k, c'est l'expression de lambda. Ça a pollué. Alors, on a la deuxième question. Est-ce que pour le moment, c'est plutôt une difficulté? Ada concours. Hambourg. Ça. Je te fais oublier, ce n'est pas une histoire de difficulté. Des fois, c'est quelque chose de simple, mais voilà. D'accord? Allez. Établir l'équation de propagation du champ électrique en déduire la relation qui lie ABC. Et oméga. Comment appelle-t-on cette relation? La relation, c'est la relation de dissipation. Le cours d'IEL. C'est ma chose. Établir l'équation de propagation, c'est le cours. Déduire la relation, c'est le cours. Donc, la relation de dissipation. À côté de toi, la question. L'école me révise le cours de la question. Allez, ça. Exprimer le vecteur champ magnétique. À côté de vous, même le concours, il dit dissipation, dispersion. Alors, exprimer le champ magnétique, malgré que ce n'est pas le champ magnétique, l'induction. Allez, exprimer le vecteur champ magnétique de l'onde étudiée. Mais, je serais bien. Où est-ce que tu as bien répondu à la question. Où est-ce que tu as? Qu'est-ce que vous allez utiliser? Où est-ce que tu as bien pour trouver le champ magnétique? Allez. Je connais pas de répondre. Ah, s'il vous plaît. T'as un seul. Pourtant, c'est une question simple. Eh, voilà. On a l'expression de B. Même qui te le fait comme, c'est un peu l'équation de Maxwell. Donc, K vectoriel E sur oméga. Très bien. Que peut-on dire sur la polarisation des champs E et B? Nesrine. Aide l'exercice. Awa talik. Avec une seule composante. Et quand je compte le compte qui est une seule composante, la polarisation, qui fait quoi? Sûrement, c'est sûr. Rectiligne. C'est moi. Non, polarisation. J'ai dit polarisation. C'est moi. Et là, je ne sais pas ce que ça passe. À quoi tu fous? Il y a des sujets à concours. Ou bien les sujets à concours, c'est comme ça. C'est des trucs, mais c'est presque identique. Là, alors. Calculer l'impédance du vide défini par rapport à bon hadi on va dire ha hadi juste mais ça m'intéresse à comme vous répondez comme on est arrivé à la sixième question. Déterminer les composantes du vecteur de Poynting R et sa valeur moyenne dans le temps, que représente-t-elle? Hambabakum, est-ce que ce sujet ça est vous dites comme chef comme l'expression l'idérobera l'équation de propagation, rotationnel du rotationnel ou à gradient du divergent, n'axe laplacien ta.
أو عطانكم كلش قول عطوني لا سي فو بلي عطوني لا نوت تاع ليكزيرسيس قبل ما نبدا نحلو شحال تعطوا لنا هذا الكونكور ها كونكور 2019 ها باسكو كان عند دمري دونك تيليشارجيتو هذا الكونكور 2019 troisième partie تاع الكونكور 2019 فوالا مش صعيب كاع سوجي سهل علاش جاهم صعيب باسكو والفو جي حد بزاف داروا لهم سوجي شويه طويل قال لك صعيب هذا ما كان اكو بعينيكم شفتو انا ما نقدرش الو اكزرسيس هاي عاونوني سيلفو بلي مش حاجه ديفيسيل وديروا في بالكم بلي سي سا لو جونغ ديكزرسيس اللي طاحوا لكم في الكونكور شكون تلفت له قالوا سور بلان اي كان ميكا ا دي كومبوزونت سويفون زد اي غاك واش قالوا دقيقه Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Une onde électromagnétique plane sinusoïdale de pulsation oméga se propage dans le vide avec une célérité C dans une direction U du plan X ou Y. Bah là, qu'ils ont fait une erreur. Je crois qu'ils ont fait une erreur. Non. Impossible. Ils ont mis le même plan. Ils ont mis la même chose. Bah là, qu'ils ont fait une erreur. Bah là, qu'ils ont fait une erreur. Parce que ils ont. Oui. Comme bah, ils ont exprimé Ousmo. Ils ont exprimé K en fonction de Z, Y. Donc, ben, ils ont fait une erreur, parce que Z ou Y, ou X ou Y. Normalement, c'est, je suis sûr, mais c'est une erreur de frappe. Je sais pas, je me rappelle pas, un local leader une erreur, mais voilà, c'est un échauffement comme l'exercice, donc sûrement c'est une erreur. Parce que c'est pas logique, d'accord? Attendez, je vais vérifier. Non. Adx, khouti. Adx. Alors, il y a ax moins by. Non, xx. X. Ma cache une erreur. Ou la hack, c'est une erreur. Alors, bismillah, les premières questions. On a des comme. La première question. Alors, exercice. Onde électromagnétique dans le vide. Alors, ce qui fait que la première question, c'est les équations de Maxwell forme locale. Manel, دقيقه خليني ومن بعد دوك نقول لك معليش خلينا نافونسي شويه دوك نقول لك معليش دقيقه داكور دوك نقول لك باسكو يا اون استوس يا اون استوس باش نعطيكم لاستوس ديالي ومن بعد نتوما نشوف الوغ لا بروميير كيسيون الوغ او ديبي قبل ما تبداو ديسينيو قبل ما تبداو ديسينيو ولا ديروا اي حاجه un bel combiné le vecteur k en fait le vecteur k how qui fait amel le vecteur k how voilà donc on a le plan x y et où le vecteur k diana how هذا هو الفيكتور ك اسمع هذا هو الفيكتور ك الوغ لي فيكتور ك هذا انا في ليكزيرسيس لي بروبوزي تو لي ستوديون تاعي درت لهم ان انجل تيتا مي فيو كو فوالا هنا بروبوزاو بلا ما ديرو بروجيكسيون تسمى قال لك بلي لا بروجيكسيون سولون اكس سي لا كومبوزونت ك اكس داكور Et la projection selon Y, c'est la composante KY. D'accord? Donc, on a comme deux composantes. Ou donc, on dit le mutabaqa. Donc, on va faire mutabaqa. Je ne sais pas KX égale à quoi et KY égale à quoi. Ça.
Qu'est-ce qu'on va faire? Au début, on a tous les équations de Maxwell. Yes, barg, ya kahina. Donc, on a le mutabaka. Et qu'on a combattu la deuxième question, ya kahina. C'est mal, ne te dis pas que A et B. Je veux dire que je veux devancer le face. Je sais que faire un peu comme les points. C'est au début. Fermez-le. J'étais le produit scalaire K scalaire R égale F. تحسب البرودوي سكالر بعد كي تحسب البرودوي سكالر ديري مطابقه مع واش مدلك في ليكزارسيس ومن بعد تعرفي كا اكس واش يساوي كا واي واش يساوي عن بالي حفصه جايحه مي هذه بالك يعطوك عليها لي بوين فهمتيني الوغ لي ايكواسيون ماكسويل دون لو فيد سي كوا دونك انا ديف ديف دو او ايغال ا زيرو دونك هذه انا ما نكذبش عليكم نحب نستيكي تسمى نسمي لي ايكواسيون تاعي Donc c'est Hadi Lula, c'est Ami Maxwell. Maxwell Gauss. Donc Maxwell Bogos. Div de B égale à 0. C'est comme vous voulez. Kenis met à Maxwell flux ou la Maxwell Thompson. Bon, je vais l'appeler Maxwell flux. Alors, on va dire la troisième, bien sûr, c'est les équations de Maxwell dans le vide. Alors, dans le vide, le vecteur densité de courant égale à 0. Les points. Et le rho égale à 0. Voilà. Il y a un point. Déjà, on a ici une ligne qui fait répondre au concours. C'est ma tête, je vais vous dire. ثم هذه باش نزيد نربح لي بوين او كان اوبوز عليها لا كاستيون شغل دي فوا يبوزي اون كاستيون ماشي بيان ديطاي ثم نتوما ديطاي وقد ما تقدروا ديطاي ديطاي بيان سور سون بارتي دون ليكسي بلا ما تزيدوا عليها بزاف ومن بعد عندكم روتاسيونيل دو او دونك سي ليكواسيون كوبلي روتاسيونيل دو او ايت ايغال موان دي بي سور دي تي دونك هذه سي ماكسويل فارادي Et dernière, rotationnel de B est égal à epsilon 0. Ou alors epsilon 0 mu 0 parce que J égale à 0. DE sur DT. Donc, c'est Maxwell Ampère. Aide la question, les jeunes. Le fait de nous trop copier les quatre équations indique, je ne sais pas, avec un demi-point ou là. Donc, c'est la première question. C'est bon, c'est tout. C'est bon, c'est tout. أكيد تكتبوا معايا جسبر. أه. On continue. Yes, for sure. Alors, deuxième question. وش بيكم اللي حسكم ساكتين؟ ليزيكزام أ سو بوان ندير لكم الهدا. والله يا اخي راه كان عندي كالاج هذا خلط لي كاع لي بروغرام اللي كانوا في دماغي عن بالي واش دير وصحاب سبيسياليتي لي انا مانيش عيان انا لا جو سي با هاد لي 3 جور راه يجيني العيا بلا ما ندير والو جو سي با كاين يا مات صرا واحد الناس العيا لا مش نبان ديكوتي والله ماني نبان ديكوتي لا خسر عليكم مش بيكم راني معاكم الدنيا رانا والله صافي بليزير انا كي تجي لاسيونس صافي بليزير المهم واحد برك شويه عيان وراني في الدار وراني في الليل وزعما الدار يرقدوا سما ما نقدرش نهضر فهمتوا سي بو سا ني نهضر بالعقل و يا ودي خديت الدوش والله خديت الدوش كنت عيان وكان ما خديتش الدوش دوك والله غير الدوش ما بارد خديت الدوش ما بارد باش فقت شويه انا هاي كونسونطراسيون لا دوزيام كيستيون كو ريبريزونت لي كويفيسيون اي بي صح لي كويفيسيون اي بي قبل ما ديمونطريوهم واش نديرو نروحو اولا توهان نحسبو لو برودوي سكالير ك سكالير او باش نعرفو اكزاكتومون سي كوا هادوك لي كويفيسيون اي بي باسكو علاش لو شون الكتريك كي كتب لكم لو شون الكتريك او دو ام كتب لكم بلي ايغال ا او 0 اي جيت حنمد لكم غومارك دوك دقيقه دوك نمد لكم غومارك
باسكو بالي بلي تحبوا هاد لي رمارك باش او كا او ما تنساوهمش اكسبونونسييل جي اوميغا تي ناقص ا اكس اكس اي صون ناقص ا اكس ناقص ا اكس ناقص ا يغريك او اكس ا او زد الوغ لي جون اذا شفتوني في الكور كنت عاده واش نكتب نكتب او 0 افيك ان فيكتور وبعد نكتب اكسبونونسييل جي اوميغا تي موان كا ار اسمع موان بي اخويا دير اي غريك اه ميرسي صحيتو لو ستيلو تاعي وقلب قلب داوي موتور لي بيل وما صبتش لي بيل ديالو الو شوف هنا موالف ندير لكم او افيك ان فيكتور باغ كونتر هنا كتب لكم او 0 plutôt E0 avec un vecteur. Un acte comme E0 fois UZ. Donc, en fait, tout simplement, c'est que E0 vecteur est égal à E0 madrof fois UZ. C'est moi la composante E0 rahi selon UZ. D'accord? Mais rahi selon trois composantes. Donc, il y a une seule composante. Alors, je ne sais pas le résultat. Ce qu'on va faire, si on délomote un barreau, alors, si on dit le mot à bas, on a l'expression qu'il y a E de M. Donc, il y a E de M. Qui fait que je dis E de M? Normalement, j'ai comme E0 exponentielle J oméga T n'aqs K scalaire. Hadi demen deroha scalaire R UZ. Donc, hadi l'expression générale. C'est E0 fois UZ. D'accord? C'est moi, dit le mot à bas, bien le produit scalaire K R ma, ou j'en dis mille fois. Je sais que des étudiants qui ont dit que c'est un GH, etc., mais il y a des points, d'accord. On essaie de faire comme ça officiel dans le concours. Simplement, quand on a trois composantes, KR, on va mettre comme la solution, on va mettre comme par mail. On va mettre comme par mail, ou on va mettre comme la solution qui est dans le concours. Quand l'étudiant a dit est-ce que tu peux donner un drive pour les concours? Alors oui, c'est le concours 2018. Rien le concours 2018, on a drive les corriger. D'accord. Mais on tout le compte. Ok, on a fait de ma chouïa. J'espère que nous allons faire ce que nous allons faire. On va à vous de voir les habits. Voilà, les habits. Celui qui veut réussir. Ou Tanik, quel haja le marque? لي عنده كاش اكزرسيس هكذا شباب اكسيتيرا وشاف اللي ما كانش في لا سيري تي دي يبعثوا لي باش نشوفو هذاك اللي فيه غير حسن وكان تقدر تبعثيه لي سولف بعثيه لي الوغ نديرو برودوي سكالير بين كا اي ار دونك ار عنده 3 كومبوزونت اكس اي زد دونك واش ندلي سمحوا لي درت خطا تقني كا زد ايغال 0 كا زد ايغال 0 باسكو ما عندوش اون كومبوزونت سولون ولا واش درت Eh, mais deux une composante selon z parce que au gamme de l'exercice là les mains font quand on l'exercice quand on a bille le vecteur il a le plan x o y ma ben à la composante z mais existe je c'est ma j'ai comme kx c'est ma j'ai comme kx ma droba fois x d'accord z k y ma droba fois y وهذا نديرو له مطابقه مع واش نديرو له مطابقه مع واش ليجان مع واش كان عندي من الفوق تسمى اوتوماتيكمون واش نكتبو ليجان واش نكتبو هذا ايتيغال اكوا نورمالمون ايتيغال اكوا ايتيغال ا اكس زائد بي ايغريك اي دونك اسكو نقدروا نريبونديو لا كيسيون وي دونك ا اي بي واش يمثلوا لي ا اي بي ا اي بي sont les coefficients ou là sont les voilà c'est les coefficients dans le vecteur K ou là les composantes du vecteur K d'accord donc A et B sont les coefficients directeurs هذه نعطيكم اسم جديد زغلهم سوا لي كويفيسيون ديريكتور ولا يقول لهم لي ما حبش يتفلسف بزاف دونك يقول لهم لي كومبوزونت
les composantes. Donc les composantes du vecteur K. Ça va. Est-ce que ça va pour le moment? Ça va? Ça va? Alors, quelle est l'expression de la longueur d'onde? Hadi li ma répondish عليها que شغل فري انسان انسان ماشي ماهوش واجد ماهوش واجد. Parce que donc le vecteur K. انسان ما يقوش منه. ماشي ميؤوس منه صافي دير لازم لازم يخمم شوية مو جو في فو دير انا ما نكذبش عليكم انا ما نكذبش عليكم الحاله اللي راكو فيها دوك لا بريباراسيون اللي راكو فيها دوك ما تسمح لكمش باش تجوزوا كونكور هادي اون دوا لادميتر تما اون دوا انكور بوسي اون دوا فو ديفي اوسي بوسي تما pour essayer de vous trouver au maximum. Je ne vais pas vous faire, je vais vous dire qu'il faut davantage bosser. Les malades, ou les endos, parce que j'ai discuté avec des étudiants, les endos, par exemple, ils se sentent mal, ou ils se sentent démoralisés, etc. C'est le moment. On s'en fout. Faites le tout pour le tout. Parce qu'à la fin, vous avez mal. Au moins, nous qui faites malgré toutes les difficultés, j'ai fait ce que j'avais à faire. Mais le grand problème, c'est qui m'a préparé sur le fait. Le concours, il sera un dégât. Voilà, c'est le mot pour l'arabie. Donc voilà, je vous le. Et je sais que c'est pas facile, la pression, je sais. Alors personnellement, le S de Hada, merci. Le S de Hada, j'aurais aimé n'hulkum gal les modules hors concours. Si j'étais moi, n'hulkum gal les modules hors concours. Alors, l'expression de lambda, si j'étais moi, ma cache gal module hors concours. Ma da ta maintenant. Sauf les wahed habi jouzha. Hada kam handi man. Donc, lambda, c'est 2pi sur K. Vous voyez qu'il y a une touche. Là, c'est le module de K. C'est le module de K. Donc, on a le module de K. Donc, c'est 2pi. Qu'est-ce que la racine, ta, A au carré, vous avez B au carré. Voilà. Donc, c'est la question numéro 2. D'accord? Alors, la question numéro 3. C'est bon, crypto? Bon, je vois même tout le monde qui m'a participé au lieu, ma co-meeting. Non. Est-ce que tu peux les gens? Allô? Ah, y'a règle. Là, le lit antique, ou là, le lit antique, je préfère que le lit soit une connexion. Ça va. Alors. Je pense que c'est une prochaine séance. Je vais vous dire. Qu'est-ce que prochaine séance sur tâche. Je ne sais pas. Le mot est que vous avez le jour ou le sept. Donc, je vais vous un email. D'accord. Nous avons le programme ou le mazal? Là, le chatikum, tu m'as dit groupe A, groupe C. وقال له بعت ايميل خلاص المهم جو لوي دي كو يبعت ايميل يانيس سي بون يانيس ابارامون حتى اكتوبر جو كرو يزيد اون سيونس دوك نشوف اسك يزيد اون سيونس خلوني برك نافونسي الوغ دوك اون فا ديمونتري ليكواسيون دو بروباغاسيون ليكواسيون دو propagation. Rana, en fait, rana fait la décision. Je compte qui hakim la révision finale de l'analyse. Parce que donc benzine, qu'allez dan hakim la révision finale, qu'allez hakim S4, S3. Sinon, qu'allez yani si hakim kolus. Ma rani fi. Soit rani fi le choix. Un bali ou chaque fois ben. Ma qu'allez yani. Yujt kom yani si yani. Alors. Équation de propagation. Alors, l'équation de propagation, on va avoir besoin de cette équation. C'est moi.
rotationnel. Du rotationnel de A. Alors, à côté remarquer, vous voulez vous mettre le concours de malhomètre. Ça. Mais les gens, je t'ai fait d'eau. Donc, au moment, je t'ai fait les formules. Vous mettez le concours de malhomètre. Donc. Là, mon gars. احنا خشين بلا ما تقولوا لي انا خشين بلا ما تقولوا لي صح ايوه يعني تمسخر إيه اسلام دباس تحت دوك باش معليش معليش هاو تشي دوك شكون يحكم فيزيك 3 اي 4 انا نقول لك لا ما قدرت في الميكرو اذا بنقول خلينا نقول لك إذا منين نحكم أثر وأسكات قل لي يعني تحكم لنا أثر وأسكات فيزيك نح رانيا راح نحاوزك اقسم بالله راح نحاوزك هذيك شغل هكاك شغل هضره ماشي شابه هذه هذه هضره ماشي شابه هكا عندك زهره نيعيه اقسم بالله عندك زهره نيعيه روح برا تسمى نتوما نورمال خليتوها تهضر هكا نورمال و جاست درولو وقعدت تضحكوا معليش اوكي واش راك حاب نديرو ما لا لا خلاص ما خليتوها روح بر غراديون هاد ستيلو راهو يمحي لا الشيطان ها معليش خليتوها تهضر نورمال وتضحكوا الو سي غراديون du divergent de V ou la de A naqas laplacien ta A. D'accord? Elle a raison. Asbar, asbar. Des repos. Je ne dis pas la raison, des femmes, il y a la femme. Il y a un bourbé. اسمع شنو العيب هذا اللي هو صار يدو شنو نورمال خلي يعني سيقري كلش نورمال ما كاش مشكل نورمال ثم تحبوا نضربوا هاي هاي شوف جميع صح معليش جميع اللي هو يقول وي على غيزون هاو تشي اذا اكسبتيتكم في لي ريفيزيون فينال تاع فيزيك هاو تشي شنو تشي هاو تشي اذا دخلتوا ريفيزيون فينال تاع فيزيك ولا اناليز ولا شيمي ولا اناليز نيميريك انا ما نسماش اسلام حمود هاي سير هاي ضربي هاي انا شديت كهينا رانيا واحلام قادري هاي سير هاو تشي دونك انا ريسبونسابل تاع ايكول 3 كار اللي يحبس لكم كلش الو ما والله ما تغاديني ايوا دونك واش نديرو اون فا كالكولي روتاسيونال دو روتاسيونال دو او ايت ايغال ا غراديون ا اي كونسنتراسيون هادي ديمونستراسيون تاع لو كور درناها ديجا تاع ديفيرجون دو او d'un divergent de E naqas laplacien ta E. Alors, à partir des équations de Maxwell, on ben l'appelle divergent de E égale à divergent de E égale à 0. D'accord? Ah, c'est sérieux, hein? Je ne sais pas, on ben l'appelle. C'est bon, on va voir. Voilà. Égale à 0. Ceci égale à naqas laplacien ta e. Hadi équation numéro étoile. D'accord? Wishno Youssef? Oui, en fait, il y a Youssef, mais ana ma nkdebch alik, on بعد ان شاء الله حنديروا concours 2015, كاين واحد l'indication je crois qu'il y a ma khdemt biha. شغل خدمت افيك ان تروك سيميلار عفسة تاع دي سي تي تحويل داكوغ يوسف تما من داك نقدروا من نخدموش بلانديكاسيون مي كيما هنا باينه اللي يعرف الكور تاعو باينه صح سما
Alors, rotationnel de E. De rotationnel de E. Où je suis servi? Alors, rotationnel de E, nous avons l'équation de Maxwell. Nous avons l'équation de Maxwell, numéro Faraday. T'as Faraday. C'est ma J comme moins D sur DT. Si je ne me trompe pas, attendez. Normalement, c'est DB sur DT. Donc, tu as rotationnel de B. Au rotationnel de B, qui rotationnel de B, rotationnel de B, c'est quoi? Donc, selon l'équation de Maxwell, on perd. C'est égal à mu 0 epsilon 0 DE sur DT. Donc, on aura moins epsilon 0 mu 0 D sur DE sur DT ou Z d'une dérivée par rapporté une deuxième fois. C'est moi, il y a une dérivée seconde par rapporté. Il y a dit l'équation 2 étoiles. Et du coup, à partir de ça, on va égaler les deux équations. On aura laplacien de E est égal à epsilon 0 mu 0 DE sur DT au carré. C'est au carré. Ceci implique que l'équation de D'Alembert en 3D, ça va nous donner laplacien de E n'est epsilon 0 mu 0 D au carré E. C'est l'exercice exactement l'enchaînement est le cours hein. C'est l'enchaînement est le cours ما كنتش تفيق بلي لونشي هو نفسه التطور تاع الكور بدينا بلي زيكواسيون دو ماكسويل ومن بعد دوموندي لكم ليكواسيون دو بروباغاسيون وموراها لا فونكسيون دو ليكواسيون دو ديسبيرسيون فان ديسبيرسيون لا 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 يوسف ماشي حافظو شكون اللي يكون فاهمو انا تحفظو صاحبي وي بالك Mais inchallah ya khou mach kitch injah parce que balak ala yousef parce que tu tlefle direct le vecteur k le vecteur k qui يشوف بلي يكون selon deux axes et tu tlefle يخلط برك يبدا يخلط parce que واحد حفاض معروف يبان بلي حفاض فهمتني est égal à 0 donc hadi c'est l'équation de D'Alembert est ça mais c'est qui demandait l'équation d'accord تقدر تحطها ديريكت ولا لازم تعطي له بابا ديمونستراسيون منين جاب نو سي لوجيك لازم دير ديمونستراسيون باسكو عطاك لا فورمول اللي دير بها ديمونستراسيون عطاك لو روتاسيونال دي روتاسيونال اكسيتيرا اوكي و ثاني اسمح لي محمد كاين اون ديفيرونس لازم تعرف تقرا لي تيرم لي مو اون فرونسي كي يقول لك مونتري ديمونتري بروفي هنا دير في بالك باللي كاين ديمونستراسيون J'espère que l'idée du sujet a un minimum le français. J'espère. Ce qui est beaucoup pour le français. Ça m'a été réouvert. Donc, c'est selon les sujets français. Les français, c'est comme ça que ça marche. Il faut montrer, démontrer, prouver. Là, c'est une démonstration. Ou maintenant, là, établir. Là, c'est, il faut démontrer. Mais il faut donner, ou la donner son démonstration, là, tu mets blâme de démonstration, c'est mettre directement la formule. D'accord? Bon, bah, j'espère que voilà, ils ont la même idée que vous chanez vous. D'accord? D'accord. Voilà. Monsieur, je m'attrape le coup, parce que des fois, quand des étudiants, c'est que ils courent une question, il faut que je fasse des la démonstration, mais vu que ma belle homme, est-ce qu'il déroule mes déroches, mais le temps où il joue. Ils vont lâcher la démonstration et puis ils vont perdre des points pour rien. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors, on va continuer. C'est bon. La suite, la relation entre... Alors, la partie 2. La partie 2, donc, c'est la suite. C'est la suite la question a dit, donc, en utilisant l'équation de propagation. Alors, quel est déroule la question à dire? Rappelez,
Rappelez, hadith, c'est son, je crois que c'est son démonstration. Rappelez, parce que c'est tafkir, de croire que l'équation, blâme à démontrer. Tu vois? Et il y a un moment où je répondais, il y a un moment où je répondais, c'est bon, c'est bon, je t'ai répondu. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va utiliser l'équation de propagation. On va utiliser l'équation de propagation pour trouver une relation. Entre A, B, C et oméga. Elle est normalement difficile de la relation de dispersion. D'accord? Donc on va prendre E. On a E. E de M est égal à E0 exponentielle J oméga t naqas ax naqas by fois uz. Voilà. Donc, on va remplacer, donc on remplace, ou là on injecte, ou là on remplace. Allez, les jeunes, je ne sais pas, est-ce que vous avez remarqué? Est-ce que vous avez remarqué la manière comment il faut répondre à un exercice de concours? C'est ma chose qui m'a répondu. Je te dis que je suis une tablette graphique. C'est ma flouarka, elle reflète le niveau d'Yelkoum. Elle reflète le niveau de compréhension. Ma kit tu as fait flouarka, tu as bien. D'accord? Elle voilà, et j'ai pas la moujadia. Alors, on injecte ou là on remplace. E, ou là, l'expression de E dans l'équation, c'est-à-dire l'équation 2, dans l'équation 2. Alors, si on injecte l'autre, il n'y a pas de Laplacien. Alors, Laplacien, c'est une dérivée spatiale. Alors, c'est une dérivée spatiale, donc normalement, on va dériver. C'est une dérivée spatiale deux fois. C'est moi qui m'a connu d'héros, par exemple, dans le cas, maintenant, dans le cas 3D. Dans le cas 2D, on a d'héros du sur dx au carré, enfin du au carré, plutôt d au carré u sur dx au carré ou le dy au carré. Mais là, c'est à trois dimensions. C'est ce qu'on va faire. On va dériver par rapport à x, enfin, dériver par rapport à l'espace. Et notre beau fois E. Normalement, on a déjà fait ça. Mais quand je dérive la première fois, vous cherchez. Alors, qu'est-ce qu'il va me donner? Il va me donner naqas AX naqas BY fois J. Qu'est-ce qu'il dérive plutôt? Astaghfirullah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il dérive? Parce que là, je vais dériver. Parce que là, je normalement dérivé de E par rapport à x au carré. Laplacien, dérivé de E. Et pas, Bark, je ne fais comme ça, Bark. C'est une chose. On a tenu qu'on ait dit que l'œuf, ou l'it in sahbar, que nous remplacer, ou bien, chez Inès, l'a mis à droite. Laplacien de E est égal dérivé seconde de E par rapport à dx au carré. Z est dérivé seconde de E par rapport à dy au carré. Z est dérivé seconde de E par rapport à dz au carré. Hakat jini shabbacher. Alors, dérivé seconde de E par rapport à dx au carré. Chet, mouchtemedli. Alors, il y a botli moins ax moins jkx moins jkx. C'est moi normalement, il y a tenu naqs a au carré. Naqas a au carré fois e. Ou l'autre, automatiquement, c'est naqas b au carré fois e. C'est moi aussi, il me dit naqas a au carré plus b au carré fois e. Donc, c'est la Laplacien. On va la dériver par rapport au temps, c'est-à-dire
La dérivée par rapport au temps, Hadi, mais cache Ishka. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va dériver par rapport au temps. Donc, Wushandi. Bon, Hadi, il y a qu'on a, les mu 0, epsilon 0, Hadi, c'est 1 sur C au carré. Je vous le cours d'Yelko. Et d'autres, c'est vous, Hadi, la relation. Donc, automatiquement, Wushi Medli, il me dit, Naqas, A au carré. Z et B au carré fois E. Hadi, t'as Laplacien. Est égal wesh, est égal normalement, est égal dérivé seconde ta E par rapport à dt carré fois 1 sur c au carré. Donc, ça va nous donner oméga au carré sur c au carré fois E. Ceci implique que Yateni automatiquement. Je ne vais pas donner de commentaires. Je crois que ça sera chouchou. Moi, je trouve les autres. Parce que ça sera chouchou, subhanallah, les autres messages, moi, je trouve. Bizarre, c'est bizarre. C'est bizarre. Ah, la participation, t'as moi, je trouve. Désolé. Subhanallah, tamid. Tamid. Alors. زعما كنتي ايتوديونت تاعي اللي فريمون زعما نشكرها دائما شفيها دائما نشكرك دائما نقول بلي تي بارتيسيب نحو احلى ما نقعد معايا عامين في الليسي زعما انت افرش افرش ديريكت خليها برونكيل اكتو يا خومي بصح شغل كانت ايتوديونت سيريوز وكان كنت دائما نشكر فيها ونقول باللي تبارتيسيبي وتبريباري وتجي تبوزي لي كيستيون ومن بعد درنا الهدا كيما هذه تبع رانيا رحت تبع لي رانيا باسي تما تما ديس شنو اسمه تسنى في واسمه تسنى في البارشوك اسكت برك نخرج فيها الخل راه برك المهم اون اورا او فينال اوميغا سور سي est égal à la racine de A au carré plus B au carré est égal à K. Et donc, Hadi, Zgoulou, vous êtes Zgoulou, les gens, vous êtes Zgoulou, les gens, Hadi. Zgoulou, la relation de dispersion. Dis-toi, Hadi, fais le cours. Dis-toi, fais le cours. Moi, je suis Andy. Dis-toi, fais ça. Alors, Hadi, Zgoulou, la relation, c'est la relation, donc, c'est la relation de dispersion. Voilà. Donc, on a dit c'est la relation de dispersion. Donc, là, on a terminé la partie lourde à l'exercice. Alors, on va continuer. Où je garde la question numéro 1, Sacha. Exprimer le valeur, plutôt la valeur. Le vecteur plutôt, le vecteur champ magnétique de l'onde étudiée, que peut-on dire des polarisations du champ E et B? D'accord, on va faire ça rapidement. Alors, où je peux te lire pour ce qui concerne le champ B, qu'est-ce qu'on va utiliser les gens? On va utiliser le produit vectoriel. Donc, on va utiliser le produit vectoriel. Ça, on va utiliser le produit vectoriel. مش حاجة ديفيسيل. Alors, quatrième question. Alors, تكتبو. هاي كتبي. اكتبي. هاك اكتبي. برك نشوف لاشيز ديالي. نشوف لاشيز ديالي برك نحسها شوية ديكاليا. C'est bon, chou chou. Est-ce que c'est bon? Est-ce que je peux? Ah,
شحال صمت يعني سادة ما يطلقش اصلا نقول له بلاني نقريها الضحكوا كاع. يا نيس لي شي ناس لي شي ناس تحبوه. الو نروحوا لا كيستيون لي مورا. Alors, c'est le, donc, le champ magnétique. À côté, vous, les jeunes, petite question. Bon, la petite question posée comme après. Qu'allez-vous dire, s'il vous plaît, Marco, je pense que les face Jahin, le cours a été appliqué. C'est moi qui ai fait le cours exactement là où il demandait le conflit d'exercice. Mais c'est un peu difficile. Non, alors, pour moi, c'est ça. C'est ce que j'ai remarqué en fait, ce sujet. Donc, B. Donc, plutôt, calcul de B. B est égal à K vectoriel E sur oméga. Alors, on a les mêmes produits. De préférence, il faut faire une révision. Adam, avant qu'on te dise des révisions. L'exercice tous les gâteaux. Par contre, je ne vais pas nier, nous allons proposer quelques exercices un petit peu difficiles pour les ondes électromagnétiques. D'accord? Je vais proposer ça. D'accord? On est en l'aide. Concours à la Sénat au collège. Je crois pas trop. Les ondes électromagnétiques, les datas ondes électromagnétiques et des comme exocène. Soit ma tâche gare, soit ta tâche exocère. Alors, nous avons fait un délo. Avec ça, fait un match produit vectoriel. Ça fait très longtemps. Je vais te dire que c'est un délo. Je vais te dire que c'est un produit vectoriel. Alors, les composantes taille, c'est A, B, 0. Très bien. Les composantes de E, normalement, il est selon Z, parce que normalement, c'est 0, 0 et Z. C'est ça, Manchurant. Il est selon Z. Hein, c'est ça. Donc, c'est E0. Donc, je vais juste. Mais ce qui finit plaçant. Ah, et Z. EZ, par contre, non, moi je suis le stylo, au lieu de me faire le stylo, je ne sais pas pourquoi. Voilà, c'est bon. Donc c'est E0 expo J oméga T moins AX moins BY. Ça va. Alors, est-ce que tu as fait des produits vectoriels? C'est un sujet que je vais avoir. Alors, par rapport à x, par rapport à x, on a une composante. D'accord? Par rapport à x, on a une composante. Par rapport à y, on a une composante. Par rapport à z, on a une composante. D'accord? C'est normalement b. Qui fait que je vais alors, il faut que un vecteur. Alors, par rapport à x, où je vais alors, il faut que normalement. Merde. Il faut que b. Et E0 exponentielle J oméga T moins AX moins BY. D'accord? Par rapport à Y. Non, ma hache, je crois que ah oui, ça, je ne sais pas ce que tu par rapport à Y, il faut que A. E0, ou les kines en darbouf naqas, donc il y a un naqas A, E0, exponentielle, G, oméga T, naqas AX, naqas BY. Par rapport à Z, il y a un 0. Donc, comme les composantes T, B. Alors, si on veut écrire les composantes T, B, donc est égal à, on va écrire la formule, ah, c'est m'houli, madrob,
fois 1 sur oméga. C'est tout. Alors, on va écrire un kharjou awamil mushtaraka. Donc, c'est E0 sur oméga fois exponentielle J oméga T naqas AX naqas BY. هذا الكل مضروب A fois U de X ناقص A non, مش A, c'est B. B fois U de X ناقص A fois U Y. C'est bon? Oui, 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 c'est bon. On est peut-être 1 sur oméga, merci. Alors, est-ce qu'on peut continuer? Attendez l'état de polarisation de E. Attendez l'état de polarisation de E. Sans vous casser trop la tête. En fait, qu'est-ce que j'allais dire? Écoutez-le comme qui compte maintenant là. Qui nous dit une seule composante. Qui compte dit une seule composante, il n'y a pas de problème. D'accord? Qui compte dit une seule composante, il n'y a pas de problème. Donc la polarisation le champ électrique, elle est rectiligne. Il n'y a pas de problème. Pour ce qui concerne la polarisation du champ magnétique, déphasage en nul. Mais qu'est-ce déphasage? Mais qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que je fais? Ou quand Ahlam, 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 je ne fais pas. C'est bien. Alors, par exemple, qui compte une seule composante, c'est rectiligne. Parce qu'en fait, le vecteur tag, il peut décrire un cercle ou un cercle ou une ellipse, si c'est qui le vecteur E, il peut bouger un plan. Ça ou là? Il peut balayer un plan. D'accord? Il peut balayer un plan. D'accord? Le vecteur E Hadan, qui dort, il va balayer le plan pour décrire avec le cercle maintenant. Il peut, donc le E, on peut dire que il peut être elliptique, il peut être circulaire, mais il peut être rectiligne. Alors, si tu veux aller lire, je ne sais pas ce que coûte ma fille. Qui compte une seule composante. Le E, il compte par rapport à un axe. Le E, c'est ma mère, il peut bouger le plan. C'est ma mère, il bouger l'axe. La seule polarisation qui est une polarisation qui est rectiligne, qui m'a donné le mouvement de la main d'Ali. C'est le vecteur Iroh, ou Iroh, ou Iroh, ou Iroh, ou Iroh. Il va dessiner une droite. Ça, ou là, là. Est-ce que vous avez allez, remarque. Ça. Par contre, quand le vecteur E, il compte selon un plan. Et là, il est possible, il compte comme trois situations. Soit, il est vraiment, vraiment, il faut appliquer ce que nous avons fait le cours. Il faut est-ce que déphasage zéro, est-ce que... Ou on déroule les astuces limites. Je trouve les astuces limites de tout le cours. C'est-à-dire que l'astuce est vraiment, vous divisez EX à la EY. C'est-à-dire comme deux composants. Après, c'est EX à la EY, je trouve est-ce que tu as comme la pente. Parce que normalement, tu as comme la pente. Je vous le déphasage. Je vous le E1 et E2. Est-ce qu'il connaît Mtsawin? Est-ce qu'il connaît Mtsawin? Déphasage égal, idée connaît égal à pi sur 2, moins pi sur 2, pi 0, etc. Où je le termine? Kain li. Hadik Mara me dit une remarque sur le cours. Autelkom, sur le cours, le champ électrique et le champ magnétique sont orthogonaux et. Mais quand binatum déphasage, là qui est plutôt le champ magnétique à partir du champ électrique. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a un déphasage binatum? Est-ce qu'un comme oméga t moins ax moins by plus un certain déphasage
par rapport au champ électrique. Est-ce qu'il y a comme un déphasage? Oui ou non? Les jeunes? Non, il n'y a pas de déphasage. Simplement, le champ électrique et le champ magnétique ne sont pas déphasés. Mais donc, il y a un déphasage binaire. D'accord? C'est très important. C'est très important. C'est une remarque qui est dite à le cours et que je voulais reprendre aujourd'hui, faire l'exercice. D'accord, les gens? Vous avez compris où je porte tout le monde? Vous avez compris où je porte le rectiligne ou le déphasage? Goulouli, oui ou non? Je vais voir, est-ce que je vais continuer? Non, هذيك واش قلت على او اكس على او ايغريك دوك نوريك واش قلت لك داكور قلت لك باللي واش نديرو بار اكزومبل اسمك منال مثلا هنا غيتبان باللي الديفازاج ايغال ا زيرو في دو اكس و في دو اكس مثلا ولا في دو زد سميها كيما تحبي جو سي با سمي ان ديفازاج كيفاش نقول لك الديفازاج لهنا كتشوفي بلي لي نول دونك اوتوماتيكمون رانا في ريكتيلين مي باغ اكزومبل باش تفيريفي بلي راكي في ريكتيلين اون فا فير دوك نوري لك واش ديري تاخدي لا بروميير كومبوزون ديفيزيها على لا دوزيام كومبوزون ياك ديري او اكس على او ايغريك ولا او ايغريك على او اكس واش يجيك يجيك اون بونت معناتها تجيك لا فالور دون بونت تسمى شغل حتسيي تصيبي المعادله ايغريك ايغال ا فوا اكس صح ولا لا منال هذه الاولى ولا دوزيام شوز لا دوزيام رمارك باغ اكزومبل راكي سور بلي هاد لا بولاريزاسيون راهي سيركولير راكي معايا راهي سيركولير واش ديري زعما ايماجيني عندك ان شون الكتريك فيه لا كومبوزونت او اكس فيه لا كومبوزونت او ايغريك ولا كومبوزونت او زد ايغال ا زيرو واش راح ندير انا واش ندير ندير لا كومبوزونت او اكس او كاري زائد لا كومبوزونت او ايغريك او كاري ونشوف اسك تعطيني ليكواسيون دان سيركل صح ولا لا قلتها لك قلتها لكم هذاك النهار ولا لا تاع لا فير هذه لي دو استوس هذو معليش ولا لي نسى نسى مي فوالا عندكم دو استوس بور فيريفي داكور فوالا alors on va revenir à notre réponse سما لهنا on va donner l'oula, il n'y a pas de souci. Donc, pour le champ électrique, on a une seule composante. Donc, on va dire directement que E est polarisé rectilignement selon OZ. Maintenant, les entatos, la direction, les rahos. C'est pour ça que je vais m'activer vidéo ou un bruit de fond. Ah oui, écoute, d'ailleurs, son andi ou là. C'est mon isma sort d'y aller. Ok, ok. Alors, donc pour le champ E, donc le champ E, il est polarisé rectilignement. Mais tout ma la réponse est comme les me dit de te faire mot. Les me trouble il est polarisé rectilignement. Ou est-ce qu'il selon quel axe? Selon l'axe ou non? Selon l'axe OZ. Donc un bel comblé le E, le champ E, il est selon OZ et le B, il est selon Z et Y. Tu vois, on est bien, hein? C'est ma goulou, B, E est polarisé rectilignement rectilignement selon l'axe OZ. Ça va. Ousmane, Manel, tu as posé les questions, mais c'est très intéressant la question. Donc, on fait avec en détail. Imaginez un an, le champ magnétique sous formulation réelle, mais que tu vois le chèque réel. C'est-à-dire, on me dérange le concours, c'est juste une explication supplémentaire. Ou les habits, ils te battent. Imaginez, mettez le champ magnétique sous formulation réelle. D'accord? Écoutez, ma fille, ou là, non? Est-ce que vous écoutez, Maya? Parce que je sens que je suis en train de parler au PC. Ah, Non, on est presque sûr que le champ magnétique est rectiligne. D'accord? Voilà, vous êtes
نروح نكتب b باسكو حنشوف لي دو ديفازاج ايكال ا 0 نكتب b ايكال ا نكتب لا فورم ريال ديالو لا فورم ريال الوغ لا فورم ريال ديالو كيفاش يجي الوغ كيفاش يجي لا فورم ريال تاعو اذا مانيش غلط سي b او 0 sur oméga cosinus oméga t moins ax moins by. Aki maya ou la la kumaya par rapport à y c'est moins a e0 sur oméga cosinus oméga t parce que alors je vais vous démontrer comme ça parce que belle le champ électrique خلاص عنده une seule composante بين mais le champ magnétique va être tout sous sous. Mais allez, c'est pas grave. Naqas ax, naqas by. Zéro. Maintenant, où je compte les courbes de dire Hadi, c'est la composante bx. Ou Hadi, c'est la composante by. Ou Hadi, c'est la composante bz. Vu que Rani est presque sûr que c'est une polarisation rectiligne, où je vais dire مثلاً, باش نجيب باش نشوف اسكا تكون عندي ايكواسيون دون دروات واش ندير نقسم بي y على بي x ولا ندير العكس سي كوم فو داكو ولا باغ اكزومبل اذا راني سو سي اون بولاريزاسيون كيفاش نقول لك سي اون بولاريزاسيون سيركولار هنا ندير بي او كاري y زائد بي او كاري x داكو تسمى لهنا علاش وقتاش عاده تكون سيركولار عاده كي تكون عندك فوق كوسينوس وتحت سينوس مي بيان سور هنا يفو فير دي فيريفيكاسيون داكو هنا ويبان بلي ديفازاج ايغال ا زيرو دونك اني سور بلي ريكتيلين صح ولا لا لا راكم معايا باسكو سي سا لا كونديسيون تاع ريكتيلين ياك ديفازاج ايغال ا ان بي صح ياخذ ديفازاج مير تسمى هو كان دير بي ايغريك قسمه بي اكس ايتيغال واش يعطيني كوسينوس مع الكوسينوس يروح ياك نديرو بارابور او بلون دونك لو بلو سامبل نقدروا نديرو اكس ايغال 0 ايغريك ايغال 0 معليش نقدروا نديرو با سوسي لو بلون دونك واش يعطينا ناقص ا او 0 سور اوميغا ديفيزي زائد بي او 0 سور اوميغا تسمى واش يعطينا ناقص ا سور بي تسمى اوتوماتيكمون بي ايغريك est égal à ناقص a sur b fois bx. Ou hadi, mais c'est équation d'une droite. Hadi, c'est pas une équation d'une droite. Hadi, l'exemple. Mais c'est équation d'une droite. Mais c'est une échelle y égale à une pente fois x. Hadi, c'est fait comme les gens. Hadi, mais c'est équation d'une droite. Et ben voilà. Donc, même le champ magnétique a une polarisation. Je vais bloquer la tablette. Yeah. Bloquer la tablette. Ah, alhamdoulilah, c'est bon. Donc, même le champ magnétique, il est polarisé selon, plutôt, il est polarisé rectilignement. Il est polarisé rectilignement selon le plan. Donc, selon le plan XY, OXY. C'est moi qui vais le présenter le champ magnétique. Qui fait que j'ai gagné le champ magnétique? Il gagne Hagda. C'est moi le champ magnétique où je vais dire. Tu vas venir me le. Les rois te baïfent. Le champ magnétique où je vais dire. Ah oui, dire de l'absent. Ah oui, dire un mouvement de va-et-vient. Ah oui, roh, oui, dire, 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 roh, oui, dire. Mais moi aussi, donc. C'est moi le champ magnétique où je vais dire. Ah oui, roh, on va dire, ah oui, dire. يروح يعاود يجي يروح ويجي ودوك هادي سي اون دروات داكور لي جون سي بون فهمنا الفكره فهمنا الفكره هاي طريب كيف فهمتوا هذاك هو الصح ما او ما تما او ما ما تروحوش هكذاك جيسبر عجبكم الحال فوالا ديزولي بالك راني بان شويه عيان mais voilà, sur le, je voulais vraiment vous expliquer les choses parfaitement. Alors, je vais continuer la réponse d'Ali. Donc, la réponse d'Ali, je continue. Donc, alors que B,
كان يشوف لا سوليوشن اوفيسيال تاع الكونكور ils ont pas fait ça genre ils ont pas fait بهذه الاكسبليكاسيون انا هذه زدتها لكم ليكم alors que b les est polarisé rectilignement rectilignement dans le plan qui m'a connu donc dans le plan les jeunes le quand tu peux oublier il est polarisé polarisation rectiligne ou tout alors vous répondez à ça mais je vais comment dans le plan x ou y c'est mal besoin de peux oublier il est polarisé d'accord bien sûr bon هذه نكتبها لكم parce que راني شفتها برك زادوها في la correction officielle تاع الكونكور les deux champs sont orthogonaux هذه ما عندها حتى فايده normalement هذا bon ما نزيدهاش parce que ما عندها حتى فايده والمهم عندك la polarisation voilà c'est bon كتبتوا ولا ما كتبتوش اسك كتبتوا باش نجوزوا la question numéro 5 ah ya rah khaf yezzi khaf yezzi salut yanis la والله غير والو اباك ديجا راني واش اباك واش قالوا لي اليوم واش قالوا لي هاد قالوا لي زعما خلي يانيس هو يقري فيزيك كيفا ولاو يقولوا لي عباك شنو قالتها رانيا واحلام والطروازيام نسيتها كاهينة ما هادو دير في بالك ما فيهمش ريفيزيون فينا ما قبلوهمش يعني قلت له واني بيعت له قول زعما من بيع شو اسمع لو كان يانيس يدير لك كوديطا كيفاه؟ شكون؟ يانيس يدير لك كوديطا 3 كار اوه امبوسيبل يانيس جامي ما يدير لك كوديطا يانيس يدير لك كوديطا انت مكبول ما ماشي مسامح كريم انا لا انا ما مسامح ما كريم ما شكون عمر انا ما سامعش شو رانيا راني قلت بولاريزي دون لو بلان او اكس او يغراك اي بون واش نزيد نقول فوق هذا الشيء سي دون لو بلان اكس او يغراك لا بي او راهي سولون او زاد راني كتبتها هنا او راهي سولون او زاد polarisé son OZ. Voilà, OZ. C'est bon, classe, fait le rectilignement selon l'axe. Le E rahi selon un axe OZ. Ou le B rahi selon le plan. Voilà. Alors, nous faisons la question numéro 5. Alors, la question numéro 5, c'est la partie limite de la gauche. Ou داروا ليكواسيون في كونكور وشنو داروا وشنو دقيقه كنت بوزيو بزاف داروا لي كيست واش حبيتي تقولي انا العاودي بوزي لا كيسيون تاعك ما فهمتكش زعما كيفاش نفيقوا ديريكت بلي ريكتيليوم ماشي سير بون يا قلت لك يا نسرين قلت لك بلي كاين دي زانديس كاين لو ديفازاج هو اللي يبيع et on va faire plus d'exercices à la polarisation, bêche, zidoute, ferro encore plus, d'accord? C'est le déphasage, d'accord? Avec déphasage, avec est-ce que E1 égale E2, bêche, est-ce que circulaire, etc. Ou quand il y a les astuces, bêche, tu vois, est-ce qu'il y a une équation d'une droite, équation d'un cercle? Est-ce que Dero, l'équation ion de droit? قسم بالله يا مان ما فهمتك شنو ايون دو دروا هذه ليك ليكواسيون دو دروات ليكواسيون دو دروات لا ما داروهاش هذه زدتها لكم ليكم اون فات شفتوا هذيك سو لا فورم غي اكسيتيرا زدتها لكم انا زدتها لكم
باش تفهم وبر في الكونكور ils ont même pas avec tellement c'est con في الكونكور la réponse النموذجيه تاع الكونكور واش قالوا E est polarisé rectilignement selon OZ, alors que B l'est dans le plan X ou Y. Ou Z ou Kalou, les deux champs sont orthogonaux, E scalaire B égale à 0. C'est ce que je dis. 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 Voilà. Très bien. Alors, nous l'impédance du vide. C'est une question de question. Donc, l'impédance du vide. Donc, impédance. Impédance du vide Z0. Alors, Mishnouhiya, la définition d'une impédance les ondes électromagnétiques. Alors, l'impédance, c'est le module, par définition, c'est le rapport t'as le module du champ électrique sur le module t'as le champ excitation magnétique. Alors, hada c'est un vecteur jdid. Hada douk n'explique le quoi. Alors, and comme le H. Hada andou tsmiya. Hada le H, wesh yusawi? Yusawi B qismet mu 0. C'est juste un petit changement de la valeur, donc B par mu 0. Alors, qu'il y a des documentations, ils ont le champ excitation magnétique. Donc, les documentations, on l'appelle comme ça. C'est les documentations que j'ai vérifiées. D'accord? Et du coup, pour calculer l'impédance, il suffit de faire le module de E, qu'est-ce que met le module de H. Et du coup, Z0 est égal le module de E. Le module de E, c'est quoi le module de E? Le module de E. Où est-ce que E, Aslan? Voilà, où E. E, ou à E0 exponentielle, tchaklala. Donc, automatiquement, le module de E, c'est égal à E0. Donc, là, parce que maintenant, j'ai deux composantes. Donc, le module de E, c'est directement E0. Donc, c'est la racine de E0 au carré. Donc, il y a la racine à la racine. C'est moi, donc, il y a E0. D'accord? Pas comme maille ou ne m'en couche maille, je sais pas. Hein? Pas comme maille? Le module, normalement, c'est Qismet B0, donc le module, ou l'angolo, Qismet, le module ta B, Qismet mu 0, parce qu'un bel ibli H. Non, mais je ne sais pas si je vais faire ça. Je ne sais pas si je vais faire H ou B sur mu 0, c'est tout, à demain. Ou ce mot excitation magnétique, mais je ne sais pas si je d'accord? Donc c'est mu 0 fois E0 qu'est-ce le module tabé. Alors, nous avons le module tabé. Normalement, le module tabé, je sais pas, le module tabé vecteur. Le calcul. Donc, normalement, c'est la composante x au carré, c'est la composante y au carré, c'est la racine. Donc, normalement, je suis comme E0 sur oméga, me drop fois A au carré, Z et B au carré. D'accord? Sous la racine. Parce que c'est la racine, parce que je vais dire la somme. A au carré, Z, B au carré. Ou je vais comme Kenny, smahouli, Kenny, alors, Hassel, je vais faire le module de B, parce qu'à un moment, Hadja, c'est là. Kenny, un des problèmes, je vais faire le module de C. Déjà.
يعني سقسي فيكم كأس كاين واحد عنده مشكل ديجا، يعني سقسي فيكم أس كاين ماشي ينتهي صح. ألوغ واش نقدروا نخرجوا باسكو على بالكم كذبت عليكم. شفاو كي كنا نخرجوا لي لامبيدونس هذي كاركتيريستيك كان عندها واحد الشكل هكا شويه سبيسيال زعما سيتي توجور ماس لينيك فور لا فيتاس تسمع كيما لامبيدونس كاركتيريستيك في الفلويد سيتي لا ما رو فوا في دونك ماس فوليوميك فور لا فيتاس. هنا ثاني حتخرج لنا عفسه فور لا فيتاس حنسيو نصيبوها. الوغ واش نعمل باش شنو نقدر ندير؟ ولا تقدروا تقدروا مثلا ديريكت هذه او 0 مع او 0 تروح واش نقدروا نديروا مثلا؟ هذه اي تيغال وشنو؟ هذه اي تيغال او 0 مي 0 سور لا راسين تاع او كاري بلس بي او كاري سور سي. واش نقدر ندير؟ كيف كيش بو؟ ماشي سور سي استخدم سور اوميغا. شنو نقدر ندير؟ هذا نسقسيكم لاراسين، لاراسين هذا سي كا صح دونك سي مي زيرو قسمت كا قسمت اوميغا كا سور اوميغا وكا سور اوميغا سي سي هو ان سور سي ان سور سي بلوتو دونك سور ان سور سي et donc z0 هو mu0 fois c et donc هذا هو le résultat ديالنا. voilà d'accord d'accord on a terminé cette question. on va aborder la dernière question de l'exercice. شوية طويلة شوية خدمة voilà في حاجة صعبة بس Alors, mon Dieu, on va travailler un petit peu. Oui, c'est la question. C'est la question. Calculer l'impédance caractéristique du vide. C'est l'impédance. Caractéristique du vide. Voilà. Ok, m'allège, m'allège. Voilà. D'accord? C'est tout. Nous allons nous poser la dernière question. نجوزو لا ديرني كيسيون صح نجوزو ما يكون لا خاطركم يا الاولاد. سيزيام كيسيون باسكو حنا انتيلي ما كنتش صح بيناتنا راه هاد ليكزارسيس راهو ريزومي تاع كاع لو كور سي لو ريزومي دو كور تاعها ديسكاستينغ. Là, ils ont oublié de mettre quelque chose. Maintenant, ils ont oublié. À chaque fois le concours, ils savent où une remarque. Ah, je ne sais pas ce que vous avez vérifié. Voilà. Je ne sais pas ce qu'il y a. Magalouhash. Fallait goulouhash. Chocalum déterminer les composantes du vecteur de pointing et sa valeur moyenne. Abel, comme qui demande de pour la valeur moyenne, qu'est-ce que j'en parle comme Fallait ou pas dire pour y yardou la. Ah je commence à fatiguer. Fallait yardou le. La partie réelle, tu as les composantes, tu as le vecteur de pointing. Parce que la puissance, elle se met en cosinus. Elle se met en cosinus au carré. Si on sait, il faut la partie réelle, tu as le vecteur de pointing. Normalement, il faut que l'étudiant fasse quoi?
في الكونكور هادي مش فاهم في الاكزرسيس انا اللي درتو البارح ملي فات قلت لهم بلي لازم ديروا لابارتي ريال دوك نفهمكم علاش تاخذوا لابارتي ريال كي تحسبوا لا الموديل يقولوها باسكو باش تاخدي باش يخرج تاخدي لو كوسينوس ماشي زوميلي ماشي عليك باسكو ماشي زوميلي باش تاخدي لو كوسينوس باش يكون عندك ا كوسينوس او كاري في الانتغرال جو سي ماشي اوبليجي مي بيناتنا نديرو ان تيست وكما ما نقولكمش بلي تاخذوا لابارتي ريال بيناتنا لي جون اسك تخمو تاخذوا لابارتي ريال وحدكم قولوها قولوا لي سيلفو بلي ريبونديو لي باش نبروفي الطفله هذه بلي ماشي كاع يخمم ياخذ لابارتي ريال مانيش نقول اني نبوزي لي كيسيون للاخرين لي جون الاخرين سيلفو بلي بكل صراحه شكون لي كان حيخمم ياخذ ديريكتومون لا بارتي غير ودري بيان سافوار قولوا الحق قولوا الصح قولوا الحق ما فيهاش عيب فوالا هذا ما كان تسمع على بالي ياخو بالك ياخو انا باك حنكتب دو فورم كوس بلس جي سينوس نفهمكم علاش باسكو عاده نسمو لا بويسونس نخرجوها On a déjà fait des exercices sur les puissances. Où les puissances, dans tous les cas, on sortira sous la forme d'une intégrale de cosinus au carré. C'est pour ça qu'on va prendre la partie réelle. À la BH, on a la partie réelle. Ou à la BH, par exemple, dans n'importe quel exercice, on doit tomber avec la formulation cosinus au carré. C'est tout. Mais un exercice, oui, dans la corde vibrante, je sais. By the way, how l'exercice de la corde vibrante باش تشوفي اصبريتو قدامك اذا تشفاو عليه هاي لا سوليسيون ديالو تاع لا بارتي ريال ودرناه في الفورسي تما شو اي والله اكزوسيس الله يحفظكم هما كاين الناس اللي مازال تتبع معايا فوالا تما شغل كاين دي زيتيديون بالك ينساو بالك جو سي با مي فوالا ديروا في بالكم بلي ماشي اوبليجي تاخذ لا بارتي ريال مي لازم على فان يخرج لك ان كوسينوس او كاري ومن بعد كومون تو فافير باش يخرج لك كوسينوس او كاري دوك انت لازم تكون شاطر تعرف كيف مي وكان كنت في ان كونكور تالمون لي ستوديون يكونوا بيرتوربي اكسيتيرا دو بريفيرونس نقول لهم تاخذوا لا بارتي ريال انا ناس alors هاي نحسبوا لا كومبوزونت فيكتور بوينتينغ alors ان لو فيكتور دو بوينتينغ ديفينيسيون ديالو الوغ انا ما نحفظش سي كوا لا ديفينيسيون تاع ما شكيتش راني عيان بزاف شويه تخو فاتيكي السمانه الجايه ندير لكم لي ريفيزيون على الضربه تاع كورد فيبرونت اون داكوستيك السمانه الجايه نديرها غير لي زون داكوستيك فوالا بريفير ياك معليش قول المهم درت لكم ان اكزرسيس تاع الفيد ونزيد نافونسي شويه باش نزيد نافونسي المهم شغل كلوتوريت الفيد ودرت لكم ان اكزرسيس او موان الفيد تاع كونكور باش تشوف داكوغ فوالا الفيكتور دو بوينتينغ وشنو هو لا فورمول تاعو انا ما نحفظش لازم ديمونتري ما جامي ما نحفظ صافي طيب ما نكذبش عليكم انا والحفاظه صافي 12 ما نحفظش ما نقدرش او فيكتوريال بي سور مي زيرو Alors, ce qu'on va faire, je garde le nom, déterminer les composantes du vecteur de pointing R et sa valeur moyenne dans le temps noté. Attendez. On va prendre la partie réelle, donc on va prendre la partie réelle de E et B. Qui fait chez quoi le produit vectoriel? Alors. E, c'est quoi? E, les composantes à E, c'était, je crois, selon Z, c'est ça? Les composantes à E, c'était 0, 0, et dans Meinschalt, E0, cosinus, oméga t, naqus k, merde, naqus ax, naqus by. هذه لا كومبوزونت تاع او اذا مانيش غلطان جو سي با شوفو فيريفي
Je sais que vous n'allez pas vérifier. Voilà. Hadi delta réel. Delta en réel. Alors, la composante AB, la composante AB, je vais la composante AB, je vais la rendre. D'accord. Composante AB. Alors, composante AB, alors, c'est cosinus, enfin, B E0 sur oméga. B E0 sur oméga. Cosinus oméga T. Naqs AX, naqs BY. Et la composante selon Y B, c'est moins A, naqs A, fois E0 sur oméga. R, je sais, donc on dit 1 sur mu, hein, fois 1 sur mu, cosinus oméga T, naqs AX, naqs BY. Voilà. Voilà. Nous avons le produit vectoriel. Alors, je vais mettre le produit vectoriel. Voilà. Les composantes à R. Alors, les composantes à R, je vais mettre le nom. Donc, par rapport à X. Par rapport à X, je vais mettre le nom. Donc, normalement, il met le nom A. E0 sur oméga, A E0 sur oméga, plutôt A E0 au carré sur oméga, cosinus au carré, oméga T, naqs KX, naqs AX. Là, de préférence réel au début, parce que je crois que j'ai essayé une fois de la carte. Je dois revoir Berk, si tu veux, je fais la démonstration. Oui, je prends après la partie réelle. Mais il faut prendre la partie réelle au début. Le début, tarder la partie réelle ou tarder. D'accord? Donc, naqs A de X, naqs B de Y. Par rapport à Y, est-ce qu'il y a des composants par rapport à Y? Donc, est-ce que oui. Normalement, la composante par rapport à... Pour lui, est-ce qu'elle est juste? Parce que j'ai peur des erreurs. Quand on a eu, j'ai peur des erreurs. Donc, normalement, par rapport à Y, là, a peut-être la tablette. Si vous voulez la tablette. Voilà. Donc, c'est moins B, E0 carré, sur oméga, cosinus au carré, oméga t moins ax moins by. Astaghfirullah wa atubu ilayk. Moins by. Et 0. Hada, c'est les composantes du vecteur de pointing. Rani nasi afsa. Rani nasi afsa. Rani nasi mu 0. Rani nasi mu 0. Rani nasi mu 0. Fois 1 sur mesure, ça. Très bien. Alors, allez-vous calculer le module, la moyenne du module du vecteur de pointing. La moyenne du module du vecteur de pointing. Donc, qui dit ça? Donc, on doit au début calculer le module du vecteur de pointing. Allez-vous le module du vecteur de pointing. Alors, le module du vecteur de pointing. صح هنا نورمالمون تعرفوا تحسبوا شحال يعطينا اصبر لا مويان نحسبوا الموديول يا عبد الناس الموديول alors le module واش يمد لنا الموديول هنا راه totalement à côté de la plaque ça ils sont totalement à côté de la plaque sauf si le cosinus ils l'ont pris non ils sont totalement à côté de la plaque même. Alors, le module du vecteur de pointing, où je mets le nom. Alors, il met le nom la racine. A au carré. E0 puissance 4 sur oméga carré mu 0 carré.
cosinus puissance 4 oméga t ناقص ax ناقص by. OK. زائد b au carré e 0 4 sur oméga carré mu 0 carré cosinus au carré plus au puissance 4 oméga t moins ax moins by. Alors, idem à niche en route, on aura le résultat suivant. Le module du vecteur de pointing est égal à. On a comme résultat donc, Hayatena E0 carré, Kismet oméga fois mu 0, fois la racine de A au carré plus B au carré, fois cosinus au carré oméga t moins AX moins BY. صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ C'est bon? Très bien. Si tu... أنا كي ما تحبو إذا بغيتو زعما هذا la racine تاع A au carré plus B au carré ترجعوها K وبعد K هو أوميغا sur C مع أوميغا يولي لكم E0 carré sur mu 0 fois C. D'accord? Mu 0 fois C. Mu 0 fois C fois cosinus au carré oméga T moins AX moins BY. Et maintenant, donc, tu peux calculer la moyenne. Donc, la moyenne du module du vecteur de pointing, où je me vois, c'est 1 sur t fois e0 carré, ou la traînée qui te parle comme pour c'est 1 sur t, l'intégrale bin 0 ou t, ta r dt. Donc, est égal à 1 sur t, les constantes le rembarre. Donc, E0 carré sur mu 0 fois C, l'intégrale de 0 à T, cosinus au carré oméga T, moins AX, moins BY. Alors, les gens, est l'intégrale démontrée telle comme déjà, démontrée telle comme en détail, pour être comme exactement où je tout savais. Est-ce que je suis obligé de vous démontrer comme en détail où je te savais l'intégrale? Non. Très bien. Enfin, je vais vous démontrer. D'accord? Question 1, je vais révision, démontrer. Mais voilà. Donc, c'est l'intégrale de l'intégrale comme déjà. Donc, normalement, c'est l'intégrale. Mais, je ne vais pas faut démontrer, d'accord? Parce que là, le concours, on m'a donné la démonstration. Il est parti dans la démonstration. Donc, 1 sur 2 grand T. D'accord? C'est le résultat, le module dans le vecteur de pointing est égal à. Donc, le module du vecteur de pointing est après avoir dit ça. Alors, le module du vecteur de pointing est égal à E0 carré sur 2 mu 0 fois C. Donc, c'est le résultat final. Alors, le chacun est le sah. Dès que je trouve, est-ce que tu es intelligent ou là? Parce que normalement, classe l'exercice. Que représente le module ou la moyenne du module du vecteur de pointing? Oui, je vais le présenter. Je connais le vecteur. Une réponse. C'est là. C'est une question de cours. Où je vais dire
la valeur moyenne du vecteur de pointing. Où je connais le vecteur de pointing, ça représente quoi? Développe, ou il grigne, développe, vous êtes développé, énergie dissipée. Mais c'est quoi? Expliquez-le comme en détail. Ken Ghir Marwan a donné une réponse à peu près presque juste. Manel, Nashinti, c'est pas ça. Mais je pense que le ça représente une puissance par unité de surface. L'aile, le flux, tel vecteur de pointing, il y a la puissance rayonnée, c'est l'intégrale double et tel vecteur de pointing fois ds. Non. En fait, le vecteur de pointing représente la puissance rayonnée par unité de surface. Parce que la puissance rayonnée, c'est la puissance totale. Donc, déroule l'intégrale. Donc, le vecteur de pointing, ou là, le module, ou là, plutôt, la moyenne du vecteur de pointing, ça représente la puissance rayonnée, ou elle est une unité de surface. Mais là, on l'a. On l'a. Très bien. Puissance, c'est une explication chabba. Puissance perdue par rayonnement dans une unité de surface. Excellent. C'est une réponse qui est valable. Abdel Hafid, ma clique, j'ai atteint la grandeur, la définition. C'est quoi Hada? Oui, c'est des watts sur mètre carré. Mais quoi que tu aies la définition. C'est moi. Quitte ça. Et tu peux oublier c'est des watts par mètre carré. Donc automatiquement, c'est la puissance rayonnée. Parce que quitte comme démonstration de l'énergie. Et quoi que tu oublies comme la puissance rayonnée ou la puissance cédée aux charges. Maintenant, je vais la puissance cédée aux charges. Parce que quand tu as de télévision, tu as la densité de courant. La densité de courant fluide elle est égale à zéro, ma cache les charges. C'est automatiquement on a la puissance rayonnée. Donc le vecteur de pointing représente seulement la puissance rayonnée par unité de surface. Ça, mettez-vous comme moi, quelle puissance elle a une surface, elle est des watts par mètre carré. Physiquement, c'est quoi? Excellent. C'est ce que je dis. C'est l'intensité. Donc, on peut dire que c'est aussi une intensité. Peut-être pas parce qu'on échoue les adorants, mais voilà, on peut dire que c'est l'intensité. C'est tout. C'est tout ce que je voulais avoir comme réponse. Je crois que l'énergie conservative, non, c'est pas ça, c'est pas une énergie conservative. L'intensité, crée-toi à les ondes électromagnétiques, les ondes acoustiques. C'est une puissance par unité de surface. Donc c'est des watts par mètre carré. Donc là, la réponse est que c'est la puissance rayonnée par unité de surface. Mais quand vous avez dit que vous avez dit l'intensité. L'intensité du champ électromagnétique, si on peut dire. Perdu. L'intensité est à peu près. Donc c'est une intensité. D'accord? Alors, je vais écrire la réponse ou on va sur la séance. D'accord? Alors, la valeur. La valeur. Allez, mais j'aime t'acheter. La valeur moyenne. Parce que moi, je fais d'achat à 6. C'est bas. Donc, mais il y en a, mais chez moi, il y en a 7, moi, c'est bon, frites.
la valeur moyenne du vecteur de pointing ma debikum pointing اكتبوا مليح سيد ما دار لكم والو اكتبوا اسمه مليح دونك سي pointing دونك la valeur moyenne du vecteur de pointing correspond je vous قلت لكم برك à la puissance à la puissance rayonnée par unité de surface. Et en parenthèse, on peut dire que c'est l'intensité. Voilà, c'est bon. On a terminé l'exercice à concours. Alors, attendez, le idéal, comme bad maintenant. Bon, alors, idéaliste, c'est que l'exercice HADA, il résume vraiment le chapitre de la zone électromagnétique. Il résume les ondes électromagnétiques dans le vide. Nous, il faut calculer les densités d'énergie. Les densités d'énergie, donc oméga. Bon, mais c'est une question djaha. C'est moi vraiment résumé. Je vais pas. يحب يريفيزي لي زوند الكترومانيتيك دون لو فيد يريفيزيه بهذا ليكزيرسيس بزاف شباب نديرو وي صح بون اللي يحب يعرف الوغ بون نحبس لونجيسترومون ونحكي معكم داكور باسكو هذه ما عندهاش باش تدخل في لونجيسترومون سينو اللي يحب يعاود يشوف اللي تجيه بزاف وقت